Putain, mais pourquoi je suis monté là-bas? Bon l'équipe, ça va ou quoi depuis le temps? Putain, ça fait plaisir. Bon, juste déjà, on va déjà commencer déjà dans le vif du sujet, frérot. Déjà, on va déjà commencer. Voilà, j'ai ça. Donc ça, je vous en parle en deux. C'est un petit partenariat que j'ai fait avec un petit vendeur sur AliExpress. Voilà, je lui ai envoyé un petit message, lui dis, il m'en fallait un. Hop, il me l'a envoyé gratuitement, frérot. C'est pour ça que je vous fais un peu la pub, parce que bon, il me l'a quand même envoyé. Franchement, super gentil. Du coup, tu sais quoi, je vais vous mettre. Donc, c'est un intercom, voilà. Donc, il y a la musique, voilà. Donc, en gros, ça, tu le connectes à ton téléphone. T'as genre deux enceintes que tu places après dans ton téléphone, frérot, dans le casque. Donc, tac, tac. Hop, tu connectes ton téléphone en Bluetooth, tu peux mettre ta musique, frérot. Et là, tu. Après, c'est la régalade, frérot. Et là, ça, c'est pour parler quand on t'appelle. Ouais, ça va ou quoi? Tac, tac, t'as genre, tu parles. Oui, ça va, ouais, course poursuite, frérot. Ouvre le garage. Toi, ça peut être 32. Okay. Donc voilà. Donc déjà, le lien, les gars, il est en bas de la vidéo. Okay, il est en bas de la vidéo. Putain, il y a des gens, ils viennent promener leur chien. C'est la honte, non? Oh putain, ils sont carrément deux voitures, frérot. Attendez, je laisse le malaise. Il y a une voiture, elle a tapé tout le monde déjà. Oh putain, il y a là. Parce qu'en fait, genre, faut savoir que moi j'aime pas parler avec genre des gens. C'est pour ça que je fais jamais de snap quand je suis avec mes collègues et tout, parce que je sais pas, j'ai honte. J'ai soif, j'ai pas pris à boire ça. Bon, c'est bon, ils ont bougé un peu. Ça peut être le chien. Bon. Putain, le chien il est carrément venu et tout, incroyable. Il m'a laissé plein de poils. Bref. Donc voilà. Attendez, je m'assois au moins, c'est comme si j'étais avec vous. Assis. Bref. Ouais, du coup. Du coup, il s'est passé. Du coup, voilà pour l'intercom, etc. Donc le lien il sera en description. Bref. Donc du coup, pourquoi il n'y a pas de vidéo en scooter? Voilà, donc ça je vais en parler. Parce que ça, il y en a plein qui me disent, ouais, c'est quand tu sors le scooter, nanani, patata. Ok, donc les gars, j'ai toujours mon stunt. Ça, il faut le savoir, je le vendrai jamais, frère. Ça, c'est un truc qu'il faut le savoir aussi. C'est que moi, mon scooter, les gars, je le vendrai pas. Voilà, donc au moins ça c'est fait, c'est clair. Pourquoi je ne le sors pas? Pourquoi je sors pas de vidéo avec? C'est la simple et bonne question. C'est parce qu'en fait l'année dernière, donc il y a un an, j'ai serré avec. Voilà, donc j'ai serré le moteur. Mais là vous allez me dire, ouais mais change de moteur. C'est exactement ce que j'ai fait. Du coup, j'ai changé le vilebrequin, je l'ai mis dessus. Et j'ai acheté un piston cylindre, un 70 Athena en alu. Voilà, donc, que j'ai mis sur le moteur. C'est juste qu'en fait, genre là, il me manque à faire quelques trucs, c'est-à-dire réglage et tout. Et moi, ça, c'est des trucs que je sais pas faire, tu vois, parce que moi, je suis pas mécanicien, frérot. Donc, du coup, je vais l'amener chez. Je sais plus comment il s'appelle. Moto Auto Plus, là. Auto Plus, là. Je sais plus comment il s'appelle. Putain, franchement, je suis vraiment un sgeg. Parce que c'est un gars de Marseille, c'est un bon mécano que, genre, je suis sur Instagram. Mais je sais plus comment il s'appelle parce que je suis un sgeg. Voilà. Donc je suis désolé, mais de toute façon si tu regardes la vidéo, de toute façon tu vas te sentir visé en 2 secondes, frérot, parce qu'on avait beaucoup parlé et je devais t'amener déjà mon scooter, mais en fait après j'ai eu ma suspension de permis, nanani, fin, il m'arrivait que des couilles. Donc voilà pour le scooter, donc j'attends en fait de pouvoir l'amener en fait sur Marseille pour pouvoir le faire régler parce que j'ai envie de faire une très bonne vidéo dessus. Voilà.
pourquoi il n'y a plus eu de 125 UXC depuis juin. Parce qu'en fait, genre, les gars, il m'est arrivé une couille avec le 125, une très très grosse couille quand même. En gros, genre, je vais rentrer dans le vif du sujet de la mécanique, frérot. J'étais en train de rouler tranquillement et tout. Et genre là, qu'est-ce qui se passe? Mon sélecteur qui se balade comme ça, d'un coup. Je me dis, oh là là, c'est la boîte à vitesse. Direct. Et en fait, en rentrant chez moi, j'appelle 2-3 collègues qui font vraiment de la bécane et tout depuis des années et tout, enfin, qui s'y connaissent énormément, enfin, bien plus que moi. Ils me disent, c'est ton ressort de rappel du sélecteur. Et tout ce qu'ils m'ont dit, ça peut être vrai parce qu'en fait, genre, toutes mes vitesses passées, c'est juste qu'en fait, genre, mon sélecteur, en fait, il revenait plus. Tu sais, quand tu passes genre, la vitesse, il revient. Mais c'est qu'en fait, moi, il revenait plus. Quand je passais la vitesse, hop, il restait en haut. Et du coup, je change mon ressort de rappel. Donc, je l'ai fait faire par un collègue qui est mécano. Et en fait, genre, mon collègue, en fait, genre, il me trouve un petit bout de. Dans le carter de l'embrayage. Il me dit, ouais, ça a pas l'air d'être grave et tout. Enfin, bref, il démarre, un bruit de fou. Un bruit de malade. Donc du coup, moi je récupère la moto et tout parce qu'en fait, genre, lui il avait pas le temps en fait, genre, de la faire et moi j'avais pas le temps de m'en occuper parce que c'était genre cet été. Et moi, genre, vous le savez, moi les gars, je travaille l'été, je travaille le soir, donc je me réveillais hyper tard l'après-midi, je pouvais pas m'en occuper, donc je me suis dit, ben tant pis, et je le ferai quand j'arrêterai de travailler. Donc du coup, je la récupère vers fin août, ouais, début septembre, la moto, et je l'amène dans un vrai garage. Tu vois. Et genre le vrai garage, il me dit qu'en fait, genre le petit bout en fait, genre, que mon collègue il avait trouvé, en fait genre c'était le petit bout du pignon. C'est quoi, je vais vous le mettre en montage là juste après. En gros, c'était genre le pignon. Qu'il y a sur le vilebrequin qui entraîne la cloche d'embrayage. Donc en fait, genre le petit bout du ressort qui a cassé, ça a cassé un petit bout du pignon. Ok, donc déjà t'as compris, 103 euros le pignon, frérot. Donc déjà, c'est le pignon primaire. Donc déjà, juste ça, déjà ça t'a calmé, frérot. Donc le petit bout du ressort a cassé le pignon. Du coup, le mécano, le vrai mécanicien, démarre la moto. Ça fait toujours le même bruit, mais plus petit en fait, genre moins fort. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il redémonte. Et là, il regarde la cloche. Et en fait, j'arrive à voir qu'en fait, genre, la cloche, les dents là, elles se sont cassées. Parce qu'en fait, en gros, genre le petit bout du ressort a cassé une dent du pignon. Et la dent du pignon qui s'est cassée a cassé une dent de la cloche d'embrayage. 350 euros la cloche. Neuve. C'est bon ou pas? C'est calmé. Voilà. Du coup, ben je l'ai récupéré hier, la moto. Voilà. Je l'ai passé en super moto, les gars. Voilà. Donc cet été, ben, pendant qu'elle était en panne chez moi, que je pouvais rien y faire, j'ai acheté des jantes. Moi je suis grave transparent, moi les gars, avec vous. Donc je vais vous dire exactement le prix que j'ai acheté. C'est pour ça que je les ai achetés en fait, parce que c'était incroyable. Du coup, je regardais pratiquement tous les deux jours sur le bon coin les jantes super motte. Je les ai achetées 535 euros avec envoi. Voilà, sur le bon coin. C'était vraiment le prix que je voulais pas mettre, 700, 800 euros. Donc, moi je les ai achetés sans pneus. Sans disque et sans couronne pour l'arrière. Donc je les ai achetés nus en fait, j'ai acheté juste la jante, le moyeu et les rayons quoi. 535 euros je les ai achetés, sachant que si genre tu les fais anodiser, genre sur un site et tout, tu peux en avoir pour 1100 euros. Donc du coup, regardez les gars, je vais vous montrer la bécane. Donc voilà, enfin, après là je vous montre vraiment vite fait hein. Mais en vrai, voilà, donc ça c'est le 125 les gars. Si vous vous demandez, ouais mais ta couronne elle est immense. Bon ça les gars, ça j'en ai déjà parlé, ça sur les réseaux, ça hier. C'est juste qu'en fait en gros ma transmission, c'est la transmission d'origine. Donc là je suis en 1350, c'est ce que j'ai en fait pour l'enduro. Mais le problème c'est que en fait je vais à 60 les gars à fond. Mais là j'attends, là j'ai commandé là, ma couronne 44. J'ai commandé une couronne de 44. Mais là je l'attends et voilà. Donc là j'attends la jus de ma couronne là les gars là. Donc voilà les gars comment elle est. Il y en a qui ont oublié comment elle était. Elle est full noire.
sais pas si vous allez bien voir, mais... Les gars, j'ai fait ma selle par Bike Cellier. Voilà. Donc les gars, si vraiment vous avez genre vraiment des selles à faire, les gars, c'est... Franchement, hein, je... Y a aucun souci. Vraiment, je sais même pas quoi vous dire, les gars. Frère, tu veux une selle, Bike Cellier, frérot. Y a même pas de... C'est comme genre, tu veux un pneu Michelin. Tu vois, pneu Michelin. Une selle, Bike Cellier. Même pas. Tu veux un guidon ProTaper. Tu vois, genre, c'est genre des références. T'as capté ou pas? Genre, tu veux un guidon, tu prends un ProTaper. Tu captes ou pas, genre, ce que j'ai envie de te dire? Tu veux des pneus Michelin. Tu veux une selle, Bike Cellier. Même pas. Y a pas, genre, tu vas avoir une autre marque. Donc voilà, les gars, comment ça fait. Jamais le plein, frérot. Jamais, jamais. Hier, en vrai, les gars, je l'avais le plein. Regardez, ça m'a tout niqué. Donc, du coup, voilà. Je vais faire un audisé aussi mon. Ma suspension, les gars, arrière. Voilà, je vais la faire anodiser. Et du coup, ben voilà. Du coup, les gars, ben, c'est la reprise des vidéos. Hein, ça va reprendre les vidéos. Voilà. De toute façon, quand je reçois la courroie, je pense que je vais vous faire une vidéo ou quoi. Faut que je regarde s'il faut que je change la chaîne, enfin, comment je peux me débrouiller ou quoi. De toute façon, il y aura une grosse surprise le mois prochain, etc. sur YouTube. Donc franchement les gars, restez connectés parce que j'ai pris une longue pause là et ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien de se dire waouh, aujourd'hui il n'y a pas de vidéo, tu vois. Parce que j'avoue, vous ne le savez pas, mais quand on fait genre des vidéos les gars, je disais ouais, quand tu fais genre des vidéos frérot, genre en mode le problème c'est qu'il y a genre des gens qui te suivent et qui t'attendent en fait, tu vois, genre sur les réseaux. Et le problème c'est qu'en fait genre tu culpabilises. En gros, genre en mode. Tu vois, par exemple, genre en mode, par exemple, genre pendant 5 ans, tous les lundis, tu sors une vidéo. Imaginons, pendant ce lundi-là, tu peux pas sortir de vidéo. Mais tu vas culpabiliser, frérot. Tu vas dire, putain, mais attends, il y a genre des gens là qui attendent la vidéo lundi, moi je peux pas. Tac. Tu vois, genre, ben, dans ta tête, tu vas te dire, putain, merde, je peux pas, tu vois. Du coup, tu vois, genre là, pendant un long moment là, j'ai pas fait de vidéo et franchement, les gars, ça m'a fait super du bien de faire ce que j'ai envie, frérot. Voilà, moi je le dis, hein. Des fois c'est chiant, des fois j'ai pas envie de faire vidéo. Mais ça les gens, vous le comprenez pas, tu vois, parce que vous regardez juste. Mais par exemple, genre des fois t'as pas envie d'aller au travail, des fois je sais pas, t'as pas envie d'aller faire de la moto. Des fois, moi ça m'arrive des fois de pas vouloir aller à la moto. Des fois, j'ai pas envie de manger. Des fois j'ai pas envie d'aller dormir. Enfin, des fois j'ai super sommeil. Tu vois, des fois tu fais des trucs inhabituels. Mais genre là, j'avais pas envie de faire de vidéo, frérot. J'avais pas envie. C'est rien de... Les gens me disent, est-ce que quand tu fais des vidéos? Ouais. J'ai pas trop envie, quoi. Après, voilà. Après, moi, c'est un truc, après, moi, les gars, que je kiffe. Hein. Mais après, ça, il faut le savoir aussi, c'est que moi, je suis tout seul pour faire mes vidéos. C'est-à-dire que, par exemple, ben, là, pour me filmer, gros, j'ai dû prendre un stabilisateur et le poser par terre, tu vois. Donc, forcément, c'est genre des trucs qui sont un peu chiants aussi, tu vois. J'aurais voulu qu'il y ait genre quelqu'un qui m'aide, qui me tienne la caméra, on fait des plans à côté de la moto. Je peux pas, frérot, je suis tout seul. Donc, forcément, c'est, tu vois, genre, c'est genre des trucs à force qui font que ça t'énerve. Par exemple, tu vois, genre là, si j'allais prendre une photo avec ma moto, je peux pas, tu vois. Enfin, je peux le faire, mais tu vois, genre, je suis obligé de trouver une technique pour caler l'appareil photo. Mettre 10 secondes, courir sur la moto, prendre une photo. T'as compris ce que j'ai envie de te dire. C'est des choses qui sont chiantes à la longue. Voilà. Mais que la plupart des influenceurs ou ceux qui font genre des vidéos ou autres, ils sont souvent à 2-3. Par exemple, tu vois, moi quand je vois genre TikSud, Nikos Bike et tout, ils sont toujours à 2-3 tout le temps à pouvoir se filmer, à se prendre des vidéos extérieures, des photos extérieures. Moi je demanderais aux gens, tu vois. Mais c'est vrai que c'est genre un truc qui me freine beaucoup dans mes projets, dans mes vidéos. Par exemple, tu vois, genre j'aimerais bien aller sur Marseille, Paris et tout. Mais le problème c'est que si je viens vous voir, je suis tout seul, tu vois. C'est pas genre un truc qui me donne envie de faire, tu vois, au final. J'ai envie de le faire. Mais je sais pas, c'est comme si là moi je te dis. Mais viens, on va au ski. Mais t'es tout seul. C'est-à-dire que t'es là dans ta voiture, tu vas au ski. Déjà, t'es là sur la route, t'es tout seul, tu fais 3 heures de route. Hop, tu loues le ski,
tu louais, je sais pas, un appart hôtel ou quoi. Tu dors tout seul, tu manges raclette, t'es tout seul frérot. Et là le lendemain gros tu te réveilles, c'est 7h30, déjeuner tout seul. T'as parlé avec personne du coup vu que t'es tout seul. T'es là, tu vas faire 2-3 pistes. T'es là. Ouais. Tu vois, genre c'est mou. Tu vois, genre c'est mou frérot, c'est mou la vie. Et voilà. Du coup voilà, moi c'est pour ça que ça me freine un peu. Mais bon. Mais après moi les gars tout va bien. J'ai toujours pas de copine, j'ai toujours pas de femme. Voilà, moi je suis. C'est la vie frérot, c'est ça que j'allais te dire. Mais bon. C'est vrai que. C'est genre des trucs qui me freinent frérot. Je serais un petit groupe de 2-3 personnes, ça serait autrement frérot. Je pense que j'aurais tout niqué sur YouTube, je te le mens pas. Voilà. Je vous le dis entre vous les gars. Je pense que j'aurais déjà tout niqué. Tout niqué. Parce que le problème c'est genre des trucs. Des fois j'ai envie de faire une vidéo d'un truc. Au final genre je me dis ah vas-y c'est bon je coupe ça, ça me reste cool, du coup je l'avais pas. Voilà. Mais là vous le savez, mais maintenant les gars, je suis relâ. Voilà. J'attendais juste d'avoir une petite machine frérot entre temps pour pouvoir faire des vidéos. Et du coup de toute façon là je vais reprendre les vidéos dans la terre et tout là. Et du coup voilà. Sur ce l'équipe, j'espère que vous allez très bien. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Snapchat les gars, parce qu'en vrai c'est vraiment les gars Snapchat c'est là où je suis vraiment le plus actif. C'est là vraiment où genre je mets le plus de trucs. Et sur Instagram aussi je mets beaucoup de trucs aussi en story. Du coup voilà, s'il y en a qui sont chauds ou quoi pour me suivre, hein, de toute façon tous les liens de toute façon sont en description, de toute façon tu sais quoi, je vais le mettre là en gros si tu veux. Et du coup ben voilà, de toute façon moi je suis là, moi l'équipe, hein, moi je. De toute façon moi les gens ils le savent, hein, tu m'envoies un message frérot, je réponds direct, y'a même pas de blablater. Tu as un problème, par exemple, genre, j'ai même, dis-toi, j'ai même fait un Discord. Mon Discord des gars, il est dans ma bio là, enfin pas dans ma bio. Il a la une sur Instagram, c'est-à-dire que tu vois sur mon Instagram, à la une, il y a mon Discord. Voilà, donc déjà calmé. Donc si t'as envie d'aller sur Discord, carrément, si t'as envie de m'appeler sur Discord, frérot, tu m'envoies un message avant, voir si j'y suis. Et si je te réponds, c'est-à-dire que je suis là, c'est-à-dire que tu peux m'appeler. Voilà, déjà direct. Genre, voilà. Si t'as genre des questions. Si t'as genre des questions ou quoi, tu peux. Et s'il y a genre des gens qui veulent m'envoyer des messages, qui ont genre des trucs à faire ou quoi, franchement vous m'envoyez des. Franchement envoyez-moi des messages de partout quoi. Voilà. Si t'as envie de te lancer sur YouTube mais tu sais pas comment faire ou quoi, tu me dis. Si t'as envie de savoir comment on fait des montages, tu m'envoies un message, je te montre comment on fait. Tranquille. Moi je suis là moi les gars, faut le savoir. Ah mais il twiste les gars en 50 là. Mamé. Ah non en fait j'ai son jus là. En fait j'arrive à faire plus de bruit qu'il avance le coup. Bon sur ce l'équipe. Franchement ça m'a fait super plaisir d'avoir sorti les caméras. Et franchement l'équipe, j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Et voilà. Sachez que je suis super content. Voilà, je vous le dis. Et j'espère que vous, dans votre vie, vous êtes content. Voilà. Il faut toujours positiver. Et je vais essayer d'avoir des nouvelles de Jorian pour la marée parce que sur ma mère qui me manque un peu. Voilà.